Bonjour tout le monde, je vais continuer la suite de Land of Flore. On est rendu à l'épisode 31. Il reste le dernier ingrédient et j'ai regardé sur internet vite fait sans lire tout. Il se trouve justement dans la cité qu'on n'a pas été parce que le pont a été coupé, donc c'est le temps d'utiliser le cube de variant pour ouvrir la barrière pour se rendre justement à cet endroit-là. Et elle y a acheté le dernier ingrédient. Par contre, je vais sauvegarder la partie. Moi, j'ai fait sauvegarder en avance. Bon, la barrière se trouve où exactement? Ça, c'était la barrière de Scotia. Ça, c'est le gouffre. Ok. Je vais regarder un peu. Je vais faire attention de ne pas se faire attraper par les orques. Ou du coup, de ne pas se faire encercler. Oh. Je suis pas sûr à 100% où je vais. C'est bon. Peut-être comme ça que ça marche? Quickly, we must destroy this barrier. Ouais, c'est comme ça. C'est la même chose qu'avec Hey, I think it's working. Qu'avec les fantômes. Bon, maintenant, je n'ai plus de cube. C'était une bonne chose d'y aller avant de faire disparaître le cube. Je devrais sauvegarder. Il y a peut-être des coffres après tout. This stump has been picked clean. Oh. C'est la ville ou la cité? Allez, montre-moi ce qu'il y a là-bas. Ok, bon. Par contre, ça va être difficile de savoir où est le marchand pour acheter les derniers ingrédients. Peut-être c'est aller voir Nathaniel? Les décors sont variés pour ce jeu. Utiliser le brouillard pour mettre un peu de profondeur, c'est quand même bien. Oh, c'est quoi? Une clé? Ah, d'accord. Bon, on va voir s'il y a des portes qu'on n'a pas vues. Il y en avait une porte. Et je vais redescendre, aller voir. C'était pas ici. Pas précis. Ah, je me suis trompé de chemin. Normal aussi. Ça se ressemble pas mal tout, même si le décor est un peu varié. La musique est pas trop mal. Bon, il y a une porte là. The door is blocked. Elle est fermée, ok. C'est cette porte-là que je regardais. Ah, il y avait bien une porte à ouvrir. Est-ce que c'est le marchand?
Il doit pas avoir grand chose là-dedans. Ok, une chemise. Oh! Une carte. De l'huile. Bon. Je vais continuer par en haut maintenant. Ah, c'est peut-être un marchand. Ça va. Customers. You are a welcome sight, lads. Since Scotia moved into the dark castle, elle habite le château. Things in Wyvil have been a mite grim. We as well are glad to see you, sir. Est-ce que je pourrais le vendre? Je sais pas si on peut vendre le verre à cheval. I'll take that off your hands for... 5 crowns. I'll take that off your hands for 20 crowns. I'll take that off your hands for 25 crowns. I'll take that off your hands for 65 crowns. It's just for the fun to make him revenge. Now, why would I be paying for that worthless junk? Il s'en va là pour lui, il a quand même été utile. Ça, pour le. Oh non, ça. Ça, ça se vend, ça? I'll take that off your hands for 25 crowns. Pour l'instant, je vais le garder. Ah oui, pour le fun. Now, why would I be paying for that worthless junk? Je vais sortir. Good luck. And happy hunting, my friends. C'est pas la boutique. Je pense pas que ce soit la boutique que j'ai besoin d'aller. Est-ce qu'ils donnent des noms les aux boutiques? Ouais, ça c'est la mûrier. Pour le truc que je vais acheter, je pense que ça serait... Oh, peut-être ça. On va voir s'il y a des trucs intéressants. En tout cas, les maisons sont pas mal abandonnées. On va aller voir si c'est meilleur. Pas vraiment ici. Pas vraiment, mais pour lui. Ben meilleur pour lui. Ok. On va peut-être le vendre, donc je serais mieux de le garder. Ok. Ah, je peux continuer encore un peu. Mais... Pas vraiment. Mais au moins, je sais que ça mène là. Il faudrait chercher Nathaniel. Il y a encore une clé. Il y a plein de clés. C'est drôle par contre, avoir des clés à cet endroit-là alors que la porte elle est un peu plus loin. Mais bon. Il faut faire dans le style du jeu. Ah,
Ah, c'est quoi? Encore un as. Je vais avoir pas beaucoup de place par contre. Heureusement que j'ai vendu un peu. Bon, il faut trouver... Ah, une autre porte. Oh, est-ce que c'est... Oh! If Rival is not attacked, then yes, you will get most of the grain back. Where have you been? Paulson, what have you found? I have found nothing. I follow Kirin now. We did find a recipe for the elixir, but it is a riddle, and we have not yet found all the ingredients. Then why are you bothering me? Parce qu'on savait pas que tu étais là. Bring the elixir to me immediately, if you ever actually get it. J'aime pas trop ce personnage. Surtout depuis l'épisode de None of Lord 3. Oh, Bakata! Enfin, je pense que c'est Bakata. C'est toi, Bakata? Hey, baby, how you doing? I'm thirstier than a keg of sawdust. Buy me a draft? Non, désolé. Well, it was worth a try. Put another one on my tab, will you, Bruno? Hey there. You're from Gladstone, aren't you? You know what's a little known fact there, that the ancient Gladstonians discovered a method of controlling magic forces quite by accident. You see, Warren, 13th heir to the throne of Gladstone, stumbled across the Shard of Truth while spelunking with his fourth wife, Jaylen the Wise. Jaylen was the eldest daughter of the third Viscount of Grisbel. The marriage brought the people of Grisbel into the realm of Gladstone, thus increasing the military power of the Gladstonian Legion. The Legion was the primary source of power for Warren. The Shard spoke to Warren as he was poking around the Irbish Mountains. This was before that opportunistic miner William Gadfly began mining in the mountains. Those Irbish mines have unearthed more magical artifacts than anywhere else. It was Gadfly that invented the bellow pump that allows air to be pumped into the depths of the mines. His great-grandson, Ian the Cruel, converted the pump design when the miners hit water. Ian founded the original city of Wyvel, which burned in a fiery inferno when the Darkman was destroyed by the White Circle. Our present city... Lorsque le roi des ténèbres fut détruit par un cercle de lumière... Aïe, aïe. Michael Lordsport discovered the Ruby of Truth as he began digging the catwalk cabins as an alternate route out of the city. Not realizing its real power, Michael sold the ruby to Ludwig Burke Grundle. 73rd heir to the throne of Gladstone. Ludwig added the stone to Gladstone's growing fortune and left it untouched for decades. It's a little known fact that Gladstone owes its entire existence to Wyvel. Horse Bucky, says I. That Scotia person actually failed the examination to join the ranks of the Talamar. So you see, the Talamar are actually to blame for this mess here. Hey there, you're not getting tired, are you, pal? I haven't had such a good listener for a long time. Really, I would love to continue this fascinating conversation. But I have a kingdom to save and a Scotia to kill. Maybe some other time. Hey, don't be a stranger there. I'll be seeing you then. D'accord. Et toi, qu'est-ce que t'as quelque chose à dire aussi? Have you seen the new apothecary? I think her name is Sadie. What a dish. Sadie? Ok, toi t'es quoi? Great fortune. You helped me in my hour of need, and now I must repay you. I hope you are feeling better, sir. Take this cape of concealment. It will make you difficult to see and hear. Thank you. This will surely help us. Ok, sauf que ça aurait été bien d'en avoir plusieurs, mais bon. C'est pas une grosse protection. Mais c'est pas grave. On peut-être en avoir besoin, à un moment donné. Oh, on va aller faire un petit tour en haut de la map. Bon. La cité de ville est très grande. Normal de pas tout trouver. Ah, oh, attends, j'ai pas été au bon endroit. C'est là, là, haut de la map.
D'accord, il n'y a pas grand-chose, mais ça m'étonnerait aussi qu'il y aurait eu quelque chose d'intéressant. À part un coffre? Ça aurait été le fun, un coffre. Bon, jusqu'au bout, ok. À partir de là. Ok. Tout au bout, alors. Peut-être faire un peu de ça, par contre. Ah, une porte. Est-ce que c'est l'apothicaire que je pourrais acheter? Non. Oh, une arbalète. Des sandales. On va laisser les sandales là. Bon. Surprised to see anyone still here in Wyvil. I've seen 1,000 siege attempts in my time. I'll not close down just because of a few unruly orcs. Perhaps you could help us. We are seeking ingredients for an elixir that can cure King Richard. What are you looking for? I have a recipe that the Drawical gave me. Oh, could you show it to me? Oui, dès que je la trouve. Attends, elle doit pas être très loin. Je vous assure que c'est une bonne chose de fabriquer cet élixir. A book to pass the time with. A book to pass the time with. Here you are. Yes, I have earth powders. My niece Laura has written me from her post at the Droracles. She speaks so highly of you, I cannot charge you for this. Thank you so very much. All Gladstone thanks you. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut, mais est-ce que j'ai de la place? Oui! So long and good luck. Bon, il me reste à aller retourner à la tour blanche. Ok, il y a un chemin rapide pour s'y rendre. Oh, peut-être en descendant par en bas. Voyons. Où est-ce qu'on est rendu? Où est-ce qu'on est rendu? Il doit pas être rendu bien loin. Ah, j'ai pas descendu au bon endroit. J'ai pas effacé par l'endroit où je voulais passer. Mais bon, c'est pas grave. On va faire ce petit trajet une autre fois, c'est tout. Est-ce que c'est par là? Non, dans l'autre sens. C'est dans ce sens-là. Oui. Je suis pas sûr que ça passe par là. Oui, c'est bien là par contre. Dame Scotia, elle a décidé de vivre dans le château. Et on a pu rentrer facilement, sans avoir trop de problèmes avec les orques. Bon, à partir d'ici, où est-ce que je vais? J'ai pas envoyé ça à les cartes. Je ne suis jamais servi de ces cartes-là. Nigre.
qu'on a utilisé pour passer dans cette forêt. Il fait un peu froid dans le sol. Ça doit être à cause de la pluie. L'ingrédient est dans le premier étage. Donc au rez-de-chaussée. Bon. Je vais pouvoir terminer. Et hop! You have butchered the creature whose flesh has never lived. You have gathered while traversing the deadly depths. You have tasted the sweetness of your enemy. You have taken powders from the heart of your mother. We have the elixir. We must find Richard quickly. Ok. Par contre, il y a une place au troisième étage que j'ai pas été. Ça, c'est creuset de la foi. Donc, pour la porte de la foi, je pourrais l'utiliser. Et j'ai un peu de temps. Sauvegarder. Donc, je vais aller faire un petit tour. Mais avant, je vais aller chercher... Ah oui, c'est vrai, je pourrais... Bah, y aller. Ah. Alors, il a fallu peut-être que j'aille avant. Mais qui ne tente rien à rien. J'ai sauvegardé. Allez faire un petit tour voir si je suis capable de m'y rendre. Attends, c'est où? C'est pas le bon côté. C'est pas grave. On va essayer de me dépêcher. Oh, il y en a un, merde. Là, faut que j'y aille. Non, c'est pas le bon. Faut se dépêcher. Vite! Parce que la baguette, elle va pas durer. Ah. Ok, la porte, elle est où? Là-bas, tout au fond. Ok, on y va. Ah! Non! Ah, pas le temps. Pas le temps. J'espère ne pas en avoir besoin ailleurs. Je pensais par là, je vais aller vérifier. Oui. Ok.
1, 2, hop, 1, 2, hop. Your faith warrants passage. Ok. Oh, un deuxième. Ah. Ok, c'est le meilleur. Je pense pas d'avoir besoin d'autres pour moi. Empty. Ok, je vais devoir en choisir. Maintenant, on part vite. Je voulais voir ce qu'il y avait là. Il y a une bonne armure, c'est bien. Mais il faut partir maintenant. On va aller par là. Moi, je n'en ai plus. Ok, là, je vais juste vérifier. Je sais pas pourquoi je gèle ici, là, mais c'est soin que j'aurais besoin. C'est pas vraiment faisable. Non, c'est pas faisable. Ah. Allez. Bon. Je voulais juste tester un petit peu. Il me reste plus beaucoup de temps, donc je vais arrêter là maintenant. Passez tous une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.